Christine Bravo totalement défoncée, grosse révélation sur sa santé face à Laurent Ruquier. Ce jeudi 7 novembre 2024, Christine Bravo a annoncé qu'elle devait se faire opérer du dos dès le lendemain. Gros coup dur pour Christine Bravo. L'animatrice qui vit désormais en Corse avec son mari, revient souvent à Paris pour sa carrière. Mais voilà que l'amie de Laurent Ruquier se retrouve dans une situation difficile. En mai dernier, elle annonçait souffrir d'une discopathie. « Je restais couché non-stop, avec des antidouleurs », a-t-elle expliqué sur ses réseaux sociaux. Ainsi, Christine Bravo devait porter un corset sur mesure, en fer. Durant 3 mois, l'ancienne présentatrice a été contrainte de supporter ses douleurs. Ce jeudi 7 novembre 2024, elle a donné de ses nouvelles au micro de RTL, la veille de son opération pour un truc de vieille, lance-t-elle. Christine Bravo va devoir se faire opérer du dos. Suite à cette intervention, Christine Bravo va devoir rester 1 mois allongée. Ils vont visser les vertèbres, comme on fait au vioc. Tel que tu me vois gay, parce que je suis totalement défoncé. Je souffre terriblement et je conseille à tous les gens qui souffrent de L4 L5, ces deux vertèbres, de se faire opérer au lieu de faire des infiltrations, de la gymnastique. Et de souffrir et de traîner ça, a-t-elle déclaré. Des nouvelles peu encourageantes qui montrent à quel point, Christine Bravo va devoir prendre son mal en patience. Gros coup dur pour l'animatrice. L'animatrice avait déjà évoqué son mal, « Depuis 6 mois, j'avais une discopathie, qu'on ne traitait pour une hernie discale, et je restais couché non-stop, avec des antidouleurs. Je suis rentré à Paris pour voir un chirurgien et j'ai été encore une fois infiltré dans le disque et on m'a fabriqué une ceinture à corset sur mesure en ferraille », avait-elle déclaré. Christine Bravo avait alors vu son corps changer, si est juste en fer, avec des bourrelets qui dépassent par les trous, parce qu'évidemment j'ai pris 10 kg en ne bougeant plus. J'ai l'impression d'être un roast beef ficelé.